planeur, pilote de droit. Boum. Le texte, le référentiel de l'examen, les conditions de passation de l'examen, et du coup aussi. Ah, donc ça devient vraiment une catégorie. Ah non, non, mais c'est clair et net. C'est borné. Si tu mets ça à côté d'hélico et de. Ah non, mais. On va aller passer l'examen dans une salle où le matin il peut y avoir des pilotes professionnels hélico qui sont venus, ou passer le matin et l'après-midi, ça sera des gars qui passeront le pilote de ligne. L'aéronautique s'appelle le SIA. Vous devez savoir relever de l'information pour préparer votre vol. Par exemple, tout à l'heure dans la carte qu'il montrait, je vous ai dit qu'il y avait un couloir aérien basse altitude, grande vitesse pour les chasseurs. Si vous ne savez pas relever cette information-là, et que vous ne savez pas que jeudi, à partir de 18 TU, ça ouvre, bah, toi tu dis, bah, il est 18h20,